Et salut à tous, on est parti dans un clash, on jouera avec Babouzio qui jouera AMC, Kritap qui jouera Thanatos, on aura Gaufretiction à Ravana et enfin Maxou, le poulet qui jouera, enfin le pou, 123 qui jouera Porygon, je crois qu'il n'y avait pas la place pour écrire tout son pseudo. Côté Kukulkan, Médusa en face, nous on va jouer Ares, donc c'est pas trop mal parce qu'Odin n'a pas d'immune contrôle sur son ulti, Kukulkan non plus, mais par contre Janus, Thanatos et Médusa ont de l'immune contrôle. On va jouer Don de l'Observateur, bot rang 1. On va jouer au flash. Et on va prendre beaucoup de potions parce qu'on va prendre très cher normalement au niveau des contrôles adverses. On va prendre. Est-ce qu'on joue agressif dès le début? Bon. Thanatos c'est pas là, donc j'ai tendance à penser que non. Parce qu'on pourrait prendre 2 points dans la chaîne et 1 point dans le 3. Au lieu de faire 1-1-1, comme on voit dans la plupart des cas. Allez, bon, on attend que Thanatos se reco. A priori, pour le moment, il est pas co. Le problème, c'est que l'adversaire le sait. Pour essayer de faire ça vite. On va juste mettre un point dans le 3. Bon, ils sont pas en face. As return. Bon, on va mettre 2 points dans la chaîne. On va la jouer agressif. Mais, on va attaquer la flame. Il y a le Odin qui a... Moyen de le tuer là. Allez, il manque pas grand chose. Bien joué, Gaufrette. Bien joué, bien joué. Non, c'est le pou. D'accord, c'est le pou. Très très charmant comme pseudo alors. Ouais, j'ai failli flash. Hein. J'ai failli flash. Mais je me suis dit, je suis assez low PV. Mieux que je la joue safe. Voici niveau 5 sur cette lane, c'est bien. Hop. On a l'ulti. S'il y a Odin qui shit jump, vous avez compris, on va. S'il shit jump, on ulti direct. Hein. Parce que ça signifie qu'il pourra pas, bien évidemment, s'enfuir. Est-ce qu'il va shit jump? Non, il shit jump pas, il est safe. Si, il va shit jump. Hop! Vous le savez. Il y a moyen de le tuer là. Bien joué! Eh oui, pas facile. On peut attaquer. On peut attaquer. Si le Thanatos reste, on peut attaquer. Oh, le flash de merde. Mais on réussit à placer la chaîne, c'est le plus important. Ah, j'ai dit d'attaquer, tout le monde s'est barré. Merde alors. Merde alors. Heureusement que le Janus a raté son Unstable Vortex sur un Tares Portail. Hein. On a eu de la chance. Je crois que l'Odin même pas. Et on tient encore. Et ça bait. Et ça bait. Ça bait 2 kills peut-être. Ça bait 2 kills. Oui. Putain, le Ares de génie quoi. Le Ares de génie. On a tenu. On va faire une Vanguard. Hein. On veut tanker. On veut s'amuser. On fait une Vanguard. C'est parti. Ça c'était bien, c'est... Putain les gars, on attaque à gauche, il y a un Thanatos à tuer. Je flash, je rate complètement mon flash, mais je flash la chaîne max range. Merde, il y a personne, il y a plus personne, tout le monde s'est paré. Hey. Jump dedans. Hey, t'es mort. Faut pas shield jump avec ton perso. Je suis désolé, mais il faut garder ton shield. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est malheureux, mais tu peux pas. Attention. Hop là. Et hop là. Boum. Mais ils ont pris vraiment aucune purif. C'est quoi cette game, les gens? On joue contre Ares. On va être des points dans l'ulti tellement il n'y a pas de... De toute façon vous faites quand même les dégâts. Non ils veulent pas attaquer.
Oh putain. Je vais mourir. Non, je suis encore vivant. Voilà, j'ai bait un kill. Voilà. Non, mais voilà. Je file des cours, hein. 100 euros de la minute. N'hésitez pas. Je suis sur twitch.com/ikertv. N'hésitez pas. Bait.com, c'est moi. Boum. On va s'arrêter là. T'aurais dû prendre les bottes peinées pour plus de fans. Bah non, parce qu'il y a déjà suffisamment de dégâts sur Monsieur Arès. Il fait quand même 800 de dégâts avec sa chaîne. Hein, si tu la mets 3 fois d'affilée avec un bon espace entre chaque chaîne. Lui, il va apprendre ce que c'est que le cripple. Et le fait de pas pouvoir portail... Ah merde, il a même pas eu le temps. Il a même pas essayé. Le fait de pas pouvoir passer à travers son portail quand on est cripple. Le truc bien relou. D'Arès. Bon, c'est une game pas balance. C'est ce qu'on appelle une game... Bah, en team qui n'est pas équilibré, malheureusement. Enfin, malheureusement. Cool pour moi, mais malheureusement pour l'équipe adverse. Mais la Medusa a bien réagi tout à l'heure, elle a failli nous tuer. Elle a pétrifié direct, elle avait raison. Non mais non, fallait pas aller là. On attend entre chaque chaîne et vous voyez que la chaîne fait tellement mal. Ça fait trop mal, ça fait trop mal la chaîne. Pas besoin de bot de mage, pas besoin de pénétration. Les Karine ne prennent pas de résistance. Enfin, ils ont des résistances de base, on est d'accord, mais. Hop. Vous voyez son shield là, beaucoup plus efficace forcément. Beaucoup plus efficace, bien évidemment. Compliqué, mais on a la chaîne qui revient. Ah merde, Thanatos sur notre gueule. Je vous aime pas beaucoup. Ah, j'ai voulu mettre la chaîne, j'ai raté. Attention, on a pris de poc. Thanatos qui retombe, qui prend son kill. L'autre Thanatos pas content. Ouais non, on est dans la tornade, on se casse. Cassos. Cassos. Désolé, oh, pas de soucis. C'est my bad, j'ai un peu chié dans la colle. Je suis dans la spool. Hop, gantelet de Thèbes, deuxième relique, sprint pour rigoler, non, méditation parce qu'on joue Bolzi. Deuxième item à aura. Souveraineté. Tu vas pas me dire que la souveraineté elle est pas conseillée, c'est une blague. C'est une blague, la souveraineté n'est même pas conseillée, c'est l'item que font tous les supports du monde. Souveraineté. Il y a un bouton que quand tu appuies, tu dis ton rôle. Ouais, sur console, c'est pratique ça. Ça permet un peu moins le problème. De toute façon, sur console, le côté positif, c'est que pas grand monde chat, puisqu'ils ont une manette. Avec un clavier, c'est un peu plus facile d'écrire. On va essayer de choper plusieurs personnes pour augmenter notre move speed. Ah oui, on se fait focus par le Thanatos, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. On l'outil direct. On ramène un joueur. On va chaîne. Oh, il a jump sur place. C'était bien pensé. Mais au pire, on a une méditation, donc on tient. Bon, si c'est pas une game sur Ender, je sais pas ce que ça va être. Malheureusement, on aurait bien voulu que la game continue. La méditation, vite. Hop. La chaîne. Au revoir. On avait suffisamment mis de chaîne pour savoir qu'on allait la tuer. On pourrait clean la prochaine lane, ça sent bien. Oh putain. Non, il est loin, je crois. Ouais, il est assez loin, il est trop loin. Yes, pas de bol. Ah ça c'est con. Ça c'est ce qui s'appelle la haine avec un grand H, quoi. Je crois que je lui ai cassé les bonbons, les rotules. Et là, je crois que derrière son clavier, il a plus de clavier, là. Peut-être qu'il a déjà plus d'écran. Je sais pas. Il a pas d'écho? Non, il a pas d'écho. Ça va, c'est pas rageux. Parce que là, peut-être
Peut-être qu'on est créateur d'une des plus belles images du web, hein. Vous savez, les gens qui retweetent les images où les mecs cassent leur PC. Raté. Ça, c'était dégueu, Ikea. C'est ce qu'on appelle l'overconfiance, mais non, il faut faire attention. Bon, ils ont plus besoin de moi pour prendre des kills. Oh, le portail. Oh, le méchant portail. On n'attaquera pas les flingues, il y a Gofrek Tabac. Bon, on est très tanky, donc c'est bien si on prend le focus. On va essayer de push. Et je vais flash quand ils vont se ramener pour défendre. Ça peut être un truc pas mal. Là, ils vont peut-être passer dans le petit trou derrière le mur là. Non? Il va se faire là. Ah, lui, il est vraiment vénère. Il est vraiment vénère. Je crois qu'il est vraiment pas content, hein. Il est pas content. Ah ouais, carrément! Carrément! Ouais, bah si même le PvE se met contre moi, bah challenge accepted, hein. Salut! Ça c'était drôle! Ça c'était drôle quand même. Et surtout qu'on va se rapprocher suffisamment pour la ramener. Et elle meurt. Bon, c'est pas nous qui prenons le kill, mais. Ah, je claque une méditation sur un Ravana qui veut pas l'avoir. De toute façon, je suis un peu con. Désolé, Iker. Il s'est passé. Rien, pas grave. On a eu la méditation, on a flashé derrière son ult. Putain, si j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Hein. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Lol. Je me moque pas d'elle, hein, bien évidemment, je me moque de mon move à moi. Je voulais certainement pas flash. Je me suis pas dit je vais flash derrière son ulti, mais c'est ce que j'ai fait. C'était pas mal. Et ils ne surrendent pas en face. Ils sont courageux. On va leur dire GG wellplay. Enfin, GG. Wellplay, les gens prennent mal. Ils disent que quand tu leur dis bien jouer alors qu'ils se prennent un stomp. Ouais, on n'a pas de pierre du vide, donc difficile de solo quand même quelqu'un. Ah. Mais quelques dégâts, mais ça s'arrête là. On peut attaquer middle lane. Attaquer le Nashor, pardon. Ouais, parce que ça ressemble pas à Roshan, ça ressemble à un Ashor. On va se cacher. Roshan, ça ressemble plus à un Fire Giant. Voilà. Bon. Roshan, c'est un gros bloc qui a des pattes, quoi. Qui peut bouger. Oh la Médusa. Je crois qu'elle était en train d'écrire à son équipe I think we can do it. Oh, encore un flash complètement raté, mais... Oh, il a... Moi, ce que je veux, c'est tuer le petit Kukulkan d'abord, et après, on se retourne pour tuer le... On met la médite. Oh! Oh, Morrigan! Ça sent pas bon. Attends qu'il jump. Voilà. Une fois qu'il a jump, on lui met la chaîne. La deuxième. Et la troisième est ratée. Ouais. Allez, on prend le phoenix. GG les gars, be right back. On va aller push la lane à gauche. Récupère un petit peu d'XP. Et Fernando on fire, hein. Moi je préfère le Fernando de Smite que le Fernando de Paladin. J'arrive pas du tout à jouer Fernando sur Paladoum. Paladoum. On va finir par. On va finir par. Je sais pas, faut qu'on fasse une pierre de vide. Là, on était parti pour comme idée de faire quoi? Maille mystique, je crois. Ouais, maille mystique. Elle est refaite la maille, hein. Elle avait un peu disparu. On va revendre ces deux trucs là et on va peut-être pouvoir acheter la pierre de vide directement. Oui, on peut acheter la pierre de vide directement. Dernier objet, on peut s'amuser à faire une gemme d'iso pour avoir du slow encore en plus. Même si ça slow,
Je sais plus si le slow se cumule entre deux sorts, mais je pense que oui. Parce qu'ils avaient, ils ont fait quelque chose sur le slow, mais je me souviens plus. Attention, j'arrive. Ah, mais pas besoin de moi. On n'est pas mort, ce qui est un miracle, hein. Avec un S, normalement, on est censé pas mal mourir. Quand même, on va pas se cacher. C'est censé mourir, ce dieu. C'est censé mourir pas mal. Mourir pour la cause, quoi. On a un petit flash ulti. Ouais, sur une personne, c'est pas ouf, hein. Donc, quand le truc pop, il faut pas se trouver là. Bah, j'aurais appris un truc, hein, dans cette game. Nouveau mode aventure ce soir. Non, ça fait pas 4 semaines. Ah non, Iker! Bon, mais oh, tu vas pas tuer mon Ravana. S'il te plaît. Ouais, bon. Ouais, le Thanatos, il fait genre. En fait, il a raté un move, alors depuis, il joue comme ça, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, c'est pour se justifier psychologiquement. Hein, il a raté un move, alors maintenant, il fait n'importe quoi, entre guillemets, pour dire ouais, mais en fait, tout à l'heure, je faisais déjà nimp, en fait. Donc on va le punir. C'est pas gentil pour son équipe. Voilà. On lui met un max de dégâts. Bon, il nous manque un petit peu de monde. Donc on va faire attention quand même. Et on n'a pas tué. On l'a pas tué parce qu'on s'est fait trop slow. Raté. Au revoir. Encore trop concentré sur moi, Thanatos, hein. Ouah, le portail qui sauve les miches! Le portail qui sauve les miches! Merci! Le portail qui sauve les miches, voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Très bon portail de Janus. Non, mais quand tu fais un portail. Si tu pouvais faire un portail défensif comme ça serait magnifique. Genre, tu pouvais portail aussi tes alliés. Bon, le problème, c'est que Portal ses alliés, c'est encore une nouvelle fois, ça serait utilisé par les trollers. Donc, Ayres refuse de coder des trucs comme ça. Hein? C'est dommage, parce que dans Dota, tu peux faire chier tes alliés. Ah, ça, tu peux. Ça, oui, tu peux. Tu peux. Genre, avec Omni Knight, tu peux mettre le Dispel Magique. Donc, le Dispel Magique est un sort positif, dans certains cas. Le Dispel Magique d'Omni Knight permet de mettre sur une aura sur un allié qui fait qu'il ne peut pas subir des sorts. Sauf que tu ne peux pas non plus en lancer. Donc tu mets ça sur un mec qui est censé lancer des sorts pour survivre, etc. Tu mets un dispel magique. Le mec, ok, il peut pas prendre de sorts, mais il peut pas utiliser les siens non plus. Donc dans certains cas, ça peut être utilisé comme un peu comme un troll. Best Thanatos EU, voilà, c'est un peu ça. GG well play. GG well play. On a fait 14K dégâts. Vous voyez que c'est pas mal, hein, 14K pour un Ares. On est quasiment premier de l'équipe. Avec Ares, hein, c'est le côté un peu ouf de ce dieu qui fait tellement mal. Pourtant, il n'y a pas d'item à dégâts, hein, pas beaucoup d'items à dégâts. Alors, même si les items à aura lui augmentent un petit peu sa puissance, c'est pas ça qui va faire énormément la chose. Le nouveau Thanatos build. Thanatos build, c'était quoi? Ah, c'était assez étrange en effet. Pourquoi pas? Allez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo avec Ares et on se retrouve dans une prochaine vidéo.